Le musée de la lutte professionnelle. Ouais, j'ai beau savoir que ce ne sont que des mannequins de cire, cet endroit me donne la chair de poule. Du catch virtuel? Quelle façon ludique et agréable de s'initier aux joies de ce sport sans craindre ce... Ça se fait mal. Regarde ça, Scoob. Sur ce mur, ils expliquent comment réaliser toutes les prises de soumission. Allez, viens, on va essayer. Tout part de la position de contrôle. Avec ta patte, il faut que tu attrapes ma jambe. Regardez, c'est encore ce monstre qui vient semer la panique. Oui, mais c'est étrange. On dirait qu'il ne s'en prend qu'aux objets qui ont un rapport avec Malachi. Vous pourriez nous aider? On est comme qui dirait légèrement coincé. Oh non, il nous a vu, il vient droit sur nous. C'est le moment idéal pour appliquer le plan A. La fuite! Cette fois, on a vraiment eu chaud. Apparemment, on a réussi à le semer. J'en suis pas aussi sûr. Hey, les jeunes, c'est quoi tout ce raffut? Vous avez besoin d'aide? Est-ce que c'est le monstre qui a fait ça? Non, nos deux amis ici présents n'ont besoin de personne pour se mettre dans le pétrin. Oh, alors je vais arranger ça. Merci beaucoup. J'étais loin de me douter qu'il y avait un bouton reset. Papa, le Titanic Twist a détruit le coin qui t'était réservé. La prochaine fois, il va sûrement s'en prendre à toi. Oh, les enfants, je ne vais pas laisser cette espèce de monstre difforme m'effrayer aussi facilement que ça. C'est juste qu'on n'a pas envie qu'il te fasse du mal. Connie, je suis assez grand pour me défendre. Bon, écoutez, il est temps de se séparer et de chercher des indices. Je sais, on a déjà essayé, seulement cette fois-ci, nous allons nous déguiser. Je crois que le pire est à craindre. Ces quatre jeux ont du goût en ce qui concerne leur tenue. Elles sont magnifiques, dommage qu'on n'ait pas d'appareil photo. Et dommage que je n'ai pas de masque. Mais tiens. Oh. Wow, Monsieur Bosephus a un bureau gigantesque et bien rangé. Il doit forcément y avoir des indices, dispersons-nous. Pour ce qui est des indices, on en a trouvé un gros. Le scientifique, joli travail. Réveillons-le. Non, laissez-moi tranquille. Génial, maintenant on n'a plus d'indices. Tu as trouvé quelque chose? Non, rien qui soit à ma taille. Hé, qu'est-ce que vous faites ici toutes les deux? Vous n'êtes pas des catcheuses? Bien sûr qu'on est... Je suis l'Amazon Atello, et elle c'est... La guerrière élégante. Comme si on avait besoin de deux demi-portions dans le circuit professionnel. Je connais un moyen rapide de nous assurer que leur histoire est bien vraie. Vous pourriez pas changer de prise? Celle-ci va déformer mes bottes. Daphné, la nouvelle collection printemps est là. Où ça? Alors... Si j'en crois mon livre, je n'ai qu'à saisir et... lancer. Oh! Je voyais ça plus dur. Comment s'appelle cette prise? Le jeté de bêcheuse. Bon, alors on va devoir vérifier tout ce qui nous paraît louche. Venez voir, Daphné et Vera sont en train de se battre. Oui, mais le plus surprenant dans tout ça, c'est que Vera connaît la prise du marteau pilon mexicain. Oui, c'est bien le Titanic Twist. Heureusement pour nous qu'il n'est que sur le moniteur. Désolé. Qu'est-ce que tu as atteint sur le pas? Il n'y a pas de quoi paniquer, restez calme. Bon, d'accord. Là, vous pouvez paniquer. Fred, tu es un lutteur, alors fais quelque chose. Les prises que je connais ne sont applicables qu'à des adversaires qui ont un bras de chaque côté. Je sais pas pourquoi, mais je m'en doutais. C'est une chance qu'on soit déguisé en préposé à l'entretien, parce qu'il va y avoir des tas de choses à réparer.